Christophe Barraud, bonjour. Bonjour Serge. Christophe, nous sommes devant votre très bel outil de travail, votre triporteur, il est flambant neuf. J'ai envie de voir avec vous quelles sont les activités que vous proposez. Je fais aujourd'hui tout ce qui est débarras, nettoyage, recyclage, jardinage et livraison. Auprès de qui, Christophe, intervenez-vous? Je crois que vous avez deux publics, expliquez-le à la caméra. Pour qui intervenez-vous exactement? Les gens vraiment un peu démunis, on va dire, et puis les autres personnes qui sont souvent seules ou qui ont besoin de tout service. Quand vous dites démunis, je crois que vous êtes notamment en lien avec Guillaume Régnier, c'est-à-dire? Guillaume Régnier, le service des tutelles qui s'appelle l'ATI. C'est des gens qui savent pas à qui ils peuvent appeler pour faire de l'aide au déménagement. Par exemple, aller chercher un meuble, monter un meuble, faire tout ce qu'ils ont besoin pour avancer dans leur quotidien de vie aussi. Zoomons à présent sur votre très bel outil de travail, votre triporteur. Je crois que pour en assurer la confection, la réalisation, vous vous êtes appuyé sur le savoir-faire d'une équipe qui est rentrée dans Mobilité Initiative Solidaire en 2017, c'est-à-dire... Oui, voilà. Je travaille aussi avec des gens très compétents et qui sont vraiment... Et je leur remercie encore de m'avoir fabriqué cette belle remorque. L'équipe tout en vélo. Qui m'ont donné un petit coup de pouce, une idée déjà suite à la fabrication de la remorque. Quelles sont les valeurs de mobilité, les initiatives solidaires qui vous ont parlé aujourd'hui? Aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a quand même un gros souci dans les grandes villes, c'est qu'on perd du temps à se garer économiquement. Le carburant, ça coûte cher, tout ça, tout l'entretien d'un gros véhicule. Voilà pourquoi j'ai décidé de prendre un vélo et avec une remorque pour être plus voyant déjà et puis d'avoir tout mon matériel dedans. Comme ça, je peux me garer n'importe où et gratuitement. Christophe Barraud, bravo et merci.